remarquer l'absence d'un tableau ici, au musée Eugène Delacroix à Paris. Aussitôt, une enquête a été diligentée sous la houlette du lieutenant Bruno Robin de la police scientifique. Bruno Robin, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous accorder une petite minute? Mais bien sûr. Pouvez-vous nous en dire plus sur ce vol? Écoutez, l'enquête avance. Toutefois, il est évident que nous avons affaire à des professionnels, mais nos meilleurs hommes sont mobilisés pour tout mettre en œuvre. Connaissez-vous le nom du tableau qui a été volé? Le conservateur du musée travaille activement sur cette question. Je peux vous assurer que ce crime ne restera pas impuni. Merci. Merci beaucoup. Voilà, évidemment, on vous tiendra au courant dès que nous aurons des nouveaux éléments sur l'enquête. Merci à vous. Bruno, on a un suspect pour le vol du tableau. Quel tableau? Bah, le tableau. Où est-ce que vous l'avez trouvé? C'est lui qui nous a trouvé. Je trouve ma gueule. Non, il s'est présenté au poste ce matin. Il s'appelle Patrick Congretel. Je vais vérifier son casier, plus vierge que Marie. Évidemment. Sinon, qu'est-ce qu'il t'a dit? Bah, qu'il savait où était le tableau, mais qu'il en causerait qu'à toi. Encore un mec qui se croit dans un film. Continue de chercher des infos sur lui. C'est jamais. Bonjour monsieur, je suis le lieutenant Robin. Robin, je sais. Ok. Mais a priori, vous savez aussi où se trouve le Delacroix que tout le monde recherche depuis 4 ans? Non. Mais par contre, je sais où se trouve le Delacroix que tout le monde recherche depuis 4 ans. Ok, et il est où alors? Bon, écoutez, monsieur Congretel. J'ai pas le temps de jouer, donc soit vous m'en dites plus, soit vous partez. Mais je ne peux pas partir. Et pourquoi ça? Mais parce que vous allez me mettre en garde à vue. Dites-moi, qu'est-ce qui se passe dans votre tête, là? Qu'est-ce que vous voulez? De l'argent? Alors racontez-moi où est le tableau. Pourquoi vous rendre maintenant?
J'étais son gardien. Son otage. J'avais peur qu'elle reste seule. Elle était plus vivante, plus palpable que vous et moi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ça va peut-être finir. Pourquoi peut-être? Bruno, tu peux venir s'il te plaît? Patrick Congretel, né le 3 janvier 1985 à Prépignan-sur-Var, parent agriculteur, redouble deux fois sa troisième. Exempté de service militaire pour cause de pied plein. Titulaire du permis B, aucune infraction répertoriée, opérateur de voie ferrée à la SNCF pendant 4 ans. Licencié à la suite d'une longue maladie extra-professionnelle, célibataire, sans enfant, deux crises en cours, la passe et des pieds. Comment un homme comme vous peut voler un tableau dans un musée sans se faire prendre? Syndrome de Stendhal. C'est quoi? Une sorte de kleptomanie surhumaine? Le syndrome de Stendhal est une sorte de transe provoquée par l'art. Regardez cette finesse. Au cours d'un voyage à Florence, Stendhal se serait retrouvé pris d'étranges malaises. Selon lui, la surcharge de beauté, de sensations célestes, l'aurait saisi jusqu'au vertige. Ce qu'il y a d'étonnant, c'est qu'il n'a pas été le seul. Vertige, suffocation, parfois même hallucination. Alors évidemment, les spécialistes prétendent qu'il s'agit d'un mal psychosomatique. Ouais. Et donc, vous prétendez souffrir de ce syndrome? Je crois que l'art a un effet bien plus puissant que ce qu'on peut imaginer. Comme, par exemple, transformer un honnête citoyen en voleur. Bruno. Quoi encore? Ses copines sont arrivées. Ses copines? Ouais, enfin, ces amoureuses, quoi. Qu'est-ce qu'elles foutent là? Bah, j'en sais rien, elles ont dit que c'était toi qui les avais convoquées. Happy birthday, Bruno. Ok. Voilez-moi, une par une. Bonjour, je suis le lieutenant Robin, en charge de l'affaire Patrick Congretel. Êtes-vous sûr que nous parlons du même Patrick Congretel? Je ne suis pas sûr. Il est vivant? Qu'est-ce que vous pouvez me dire à son propos? J'ai quitté mon premier mari pour lui. On a baisé ensemble. On était amoureux. Vous l'avez vu quand pour la dernière fois? Et c'était à l'aéroport, à Charles de Gaulle. Il partait en mission pour Dubaï. Vous pouvez me dire ce que je fais là? Je sais pas, vous me faites chier avec vos questions, j'en sais rien, il y a, je sais pas, un mois. C'était juste avant sa chimio.
Il voulait m'épargner ça. Vous avez remarqué des troubles du comportement, des excès de nervosité, des sautes d'humeur? Absolument pas. Ouais, il me tabassé puis j'ai retourné la semaine d'après. Est-ce qu'il va bien? Est-ce que vous avez déjà dit pourquoi vous lui plaisiez? C'est quoi cette mascarade? Tu fais ça pour te faire connaître sur les réseaux sociaux? Ce genre de conneries? Arrête de jouer au con, putain! Vous croyez vraiment qu'on va se laisser balader? On en a maté des plus coriaces que toi. Qu'est-ce que vous cherchez? Qu'est-ce que vous voulez? Il est où le tableau? Et pourquoi vous êtes là pour me dire des conneries? Pourquoi un mec qui a même pas son bac s'intéresse à ce genre de coup du jour au lendemain? T'es pris pour Arsène Lupin? Je vous dirai tout s'il sort! Vous faites juste ça pour soulever des filles? Posez les bonnes questions. Expliquez-moi pourquoi les trois femmes que vous m'avez envoyées ne me parlent pas du même homme. Personne ne posait les yeux sur elle. Personne, sauf moi. Elle n'avait aucune valeur. Aucune valeur? Mais vous délirez. Ce tableau a été estimé à plusieurs centaines... Pas son prix. Sa valeur. Où était-elle ?
qui était-elle? J'étais... Je venais... Je ne sais où. Nul ne voit en toi. Nul ne te reconnaît. C'est en vain que j'ai cherché en toi. J'ai parcouru tant de chemins, sillonnant terres et mers. Le silence du monde. Toi, la terre, la lumière, le ciel. Tu prends trop de place. Pourquoi tout ce cirque alors? Les gens pensent que l'art appartient à tout le monde. On en accroche dans les musées, on vend des cartes postales, on en fait des copies dans les livres. Vous savez combien de personnes se sont arrêtées sur ce tableau les 6 derniers mois? J'ai compté personne. C'est des conneries. Pourquoi ne pas le rendre, tout simplement? Parce que je veux vous dire comment je l'ai volé. Et vous ne voulez pas le savoir. Si, je veux le savoir. J'ai tout étudié. Toutes les possibilités. Mon rapport était précis, détaillé. Il n'y avait aucune trace d'effraction, il n'y avait rien. Je me suis enfermé dans un placard à balai. Un 14 juillet. Un placard à balai. Un 14 juillet. Mais ta gueule! Je vais passer pour un con. Pas si vous faites ce que je vais vous dire. Mais vous êtes complètement cinglé. Qu'est-ce qui vous fait croire que je vais vous aider? Parce que vous avez encore une chance de redorer votre blason. Laissez tomber la vérité, on va inventer un vol extraordinaire, ok? Et faire de vous le centre de cette réussite. Vous allez finir en prison.
Oui. Oui. Mais je serai libéré. Après plusieurs années de recherche d'une précision chirurgicale, le lieutenant scientifique, Bruno Robin, a mis la main sur le voleur du tableau. Elle avait désormais un nom, une histoire. Je pense que j'ai compris l'importance des musées. Ce sont des temples, des coffres. Ils renferment ces choses qui seraient trop pour un seul homme.